Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis en compagnie de Notorious Jack pour une nouvelle session de vidéo. Salut, salut tout le monde! Alors, pour nous ça fait quelques... Une transmission, commandant. Je crois que ça va vous intéresser. Mes hommages, commandant Shepard. Je représente un investisseur à la recherche d'informations sur les activités de Cerberus. Qui êtes-vous? Et qui représentez-vous? Mon identité n'a pas d'importance. Je vous dirai simplement que je suis un agent du Courtier de l'Ombre. L'amiral Karuku a contacté mon employeur pour lui demander les coordonnées des installations de Cerberus. Nous les lui avons fournies, à condition qu'il nous fasse parvenir des copies de tout fichier récupéré dans les systèmes de Cerberus. Vous avez quelque chose à voir avec la mort de l'amiral Karuku? Nous n'avions aucune raison de l'éliminer. Il s'apprêtait à nous fournir des informations sur Cerberus. Informations qui sont à présent en votre possession. Vous devez avoir un lien avec Cerberus. Comment pouvez-vous savoir où se trouvent ces installations, sinon? L'information est notre métier, commandant. Grâce à nos contacts, nous avons pu découvrir que le groupe Cerberus était actif dans le secteur voyageur. Malheureusement, c'est tout ce que nous avons pu apprendre. Nous souhaiterions donc que vous nous obteniez ces fichiers. Ce sont des fichiers confidentiels de l'Alliance. N'y comptez pas. Soyez raisonnable, commandant. Vous ne devez rien à l'Alliance. Cerberus opérait en dehors de sa juridiction. L'Alliance va en tirer ses informations dans ses archives. Mais aucun secret ne reste caché indéfiniment. Quelqu'un finira par nous remettre cette information. C'est inévitable. Autant que ce soit vous, transmettez-nous les fichiers et vous serez largement récompensé. Vous comptez en faire quoi, de ces informations? C'est un bien comme un autre, négociable et échangeable. À partir de là, le motif de mon employeur ne me regarde pas. Je ne suis que l'acheteur. Ma loyauté va à l'Alliance, pas au Courtier de l'Ombre. C'est regrettable, commandant. Mon employeur s'en souviendra la prochaine fois que vous aurez besoin de nos services. Je suis désolé, j'ai été coupé par cette conversation. Ouais. Qu'est-ce que je disais du coup? Que c'était quelques heures de... Oui, ça faisait quelques heures pour nous, mais pour vous... Tout dépend. Quelques jours, peut-être. On verra. Donc cette fois, nous allons attaquer Féros. Tiens, là, ah, il y a un petit secteur avant. Alors, il va peut-être y avoir encore une petite quête annexe finalement. Fais voir, ouais. C'est ça qui a bien, les petits quêtes énormes. Dans Mass Effect, chaque système apporte une quête. Ouais. Réception d'un message, je transfère. Normandie, ici PC Alliance. Nous détectons votre présence dans le secteur Attique Beta. Un de nos drones de surveillance a été abattu alors qu'il recueillait des informations sur les activités des guettes dans la région. Nous vous demandons de vous rendre sur cette planète afin de récupérer le module de données du drone avant les guettes. D'accord. Ok. Mission classique. Pourquoi c'est le... Non, c'est pas Xator. Xatora. Sidid. Je sais pas comment on est censé prononcer ça. Peut-être Sidid, tout simplement. Sidid, ouais. Et les Tatia. Oh, joli. C'est là. On ira après. Très belle. Xatorus. Je crois que c'est tout. Et l'Étanium. Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Bah, allez-y, monsieur. C'est quelle page? Ok. Alors, le 6 et le 4. Donc, Talier et Vrex. Ouais. Ce sont des plaines, visiblement. Danger niveau 1, cela dit. Alors, la carte. Sonde abattue, anomalie, débris. Bon bah, sonde abattue. Ah non, non. Attends, commando. Tali. Ah oui, level up pour Tali. Via pompe, peut-être. Ouais. Elle est à la traîne là-dessus. Hein.
Elle a toujours pas Carnage. Rex non, Nathaniel. Okay. Rex a jamais besoin de Shepard. Les équipements, le j'ai regardé un petit peu offline tout à l'heure. Allez, en avant. Joli quand même. Ouais, d'accord. C'est sympa, ouais. On voit la... l'anneau. Ouais. De la planète. Franchement, je kifferais, tu vois, sur la Terre, un truc comme ça et tout. Ouais, c'est joli. L'objectif est pas loin. Ouais, on s'approche. À mon avis, c'est sur le truc. Voilà. Effectivement, c'est sur... Ah non, c'est là. Ah ouais. Oh là. Le drone de surveillance. Mais où est le module de données? C'est des Pidgeac. Ouais. Une créature simiesque semble s'être échappée avec le module de données. Ça va compliquer les choses. Alors la carte. Enfin, rentre dans le balcon et mets la carte. Ah putain, ouais. Colonie de singes. Ah! Fuck! C'est quoi cette mission à la con? C'est pas grave. Bon, on va faire celui qui est le plus éloigné au sud, hein, pour l'instant. Ouais. Je la connaissais pas, cette petite mission. Comme quoi, on en découvre. Je m'en souviens pas non plus. À mon avis, prépare le lance-missile. Lance-missile chargé. T'inquiète pas, dans le Mako, ah, c'est toujours gauche. Prêt. Boum. Faut les tuer? Bah ouais, je pense. Vous voulez être gentil avec eux. Gentil singe. Découverte le singe. Ah d'accord, faut que je cherche les singes un par un. C'est la merde cette mission. On ferait mieux de bouger. Non, pas toi, Rex. C'est pas dit qu'ils l'aient tous, hein. Bon, tu les. Ça sera plus facile pour récupérer. Bah. Cette technique. Ah non, pragmatisme plus 4. Ah, oh, c'est sympa ça. C'était un peu cruel, non? On va éviter. Faudrait que je le fasse, moi, tiens. Tuer tous les singes. Non, c'est la sonde. Celle-là, maintenant. On va galérer. J'espère que je vais la trouver. Que je vais pas louper un singe, tu sais, en ayant fouillé toutes les colonies. Oh non, mais je pense que c'est... Si tu les fouilles un peu toutes et puis ça te la donne après. Mm. Mais il faut y aller avant les guettes. À mon avis, tu vas tomber sur des guettes un moment. Il y a des chances. Mission annexe qui était pas du tout prévue. Ouais, on est tombé dessus, par hasard. Et donc ça prolongera un petit peu tout ce qui est exploration spatiale, qui finalement n'aura pas été en un seul épisode, contrairement à votre fois, mais plutôt par quête annexe, divisée en plusieurs quêtes, donc en plusieurs épisodes, d'une durée variable. Hop là, je vais peut-être me rapprocher. Ça, je n'ai pas de module, ça, je n'ai pas de module. Singe, pas de module, singe, pas de module. Pousse-toi le petit singe. Pas de module. Pas de module. Pas de module. Pas de module. Putain! Oh, l'autre il est passé sous les roues, il a eu du bol, hein. J'avoue. Quelle idée aussi, hein. Ouais, c'est clair. Alors, ça, tu peux passer sur la montagne. Mais bof. Ou alors tu peux passer, j'ai vu par la droite. Ah bon? Ouais, par là. D'ailleurs, j'ai vu un éclair. À mon avis, il y a du guette. On va voir ça. Et là, à gauche, après le truc. Je le vois. La 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 la. La 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 la
La la la la la la la la la la la. C'est pas de la merde de chez Toyota, hein. Quoique. Boum. Oh, il y a une station de recharge. Boum. Regarde. Ouais. Oh putain. Oh, allez. Voilà. À mon avis, ça a l'air d'être là. Pas de module. Pas de module. Pas de module, pas de module, pas de module, pas de module, pas de module. C'est peut-être dedans, hein. Ouais, il y a des chances. Si la porte peut s'ouvrir, la porte peut s'ouvrir. À mon avis, ça pue que c'est là-dedans. Ouais. C'est rare qu'il y ait une mine comme ça. Bon, bah c'est parti. On va voir elle. À mon avis, t'as du guette. Bonjour, nous sommes Guette. Tiens, qu'est-ce que t'as? Ça, je n'aime pas le module. Il va sûrement y en avoir d'autres. Attends, il y a un truc à récupérer. Ouais. Voilà. Je vous suis. T'as plutôt intérêt. Je pense donc j'y suis. Bonjour, il y a des singes, il y a des singes. Si ça se trouve, on va tomber sur le big boss des singes, tu sais. Alors, Donkey Kong. Grave. Le gros invité qui a rien à foutre là. Très gros clin d'œil. Singe que je vois. Non. Non, je te le dirai pas. Merde. Ah. Elle est encore en bas. À mon avis, ça pue le truc. Il va y avoir une couille, c'est obligé. C'est trop simple. Enfin, à part le fait que je dois rechercher plein de singes. Oh là. Non. Allons-y. T'as vu lui? Ouais. Oh, sir, yes, sir. Sir, yes, sir. Alors, voilà. Non, attends. Regarde peut-être sur le côté où je sais. Regarde sur la carte pour voir comment est configurée la mine. Pas dézoomer là? Ah, d'accord. Ah, bah d'accord. À mon avis, tu passes par de par là, donc t'as moyen de passer par l'autre porte. Bah, je vais aller dans celle-là déjà, peut-être. Celle-là, on a déjà été, celle-là. Bah oui. T'as deux portes, celle-là. Range ton arme. Pas de module. On a laissé tomber le module. Ah. C'est un miracle que le module soit intact. Joker va pouvoir transmettre ses données à votre commandement. Voilà. C'est tout? Ça me paraît bizarre. Bah eh. Alors, embuscade de Guette à la sortie, tu vas voir. Te plains pas. Je me plains pas, mais ça pue l'embuscade de Guette à la sortie. Mais non. Sans vouloir être parano. Mais non. Moi, je te dis, ça va se passer comme des ronds de chapeau. Là, regarde, des Guettes. Et merde. Brouillage, ça pue. Et voilà, et voilà. Voilà ces fils de pute. Ça aurait été trop facile. Hein. Par contre, il y a le brouillage. Problème, mais c'est pas grave. Oh là! T'as vu ce que j'ai esquivé? Oh les! Oh là, y'en a un autre? Ouais. Y'a les. C'est des sabaguettes aussi qui ont balancé. Ah là, t'as vu, vrai que c'est mis en immunité. Ouais. Oh merde! Je l'ai tué à éviter. Il bouge plus, il bouge plus. Niveau sup! Oh yeah! Oh, bonjour les gars. Putain, t'as des snipers. Moi aussi, je peux le faire. Hop,
pas besoin d'un... Arrête. Je pensais que ça aurait marché. Ouais, mais non. Joli. Il a l'air d'être plus stable celui-là. Bah oui, forcément, vu que t'as augmenté un peu la compétence. Plus tu augmentes la compétence, plus c'est stable. Mm-hmm. Quand moi j'ai le... Vu que je suis stable... Oh, le titan, ça. Ouais, rosé les coffres, en plus, c'est des bonnes armures. On va peut-être regarder ce que ça donne. En plus, t'as monté de niveau. Attends, je vais juste voir... C'est la titan. Ah ouais, elle est en dessous. Elle est en dessous. Bon, level up. Alors, que peux-tu monter? Tu peux monter fusil à pompe pour avoir le carnage amélioré. On veut monter le fusil de précision. Allez, fusil à pompe. Rex. Rex est un tueur. Ouais. Tu peux monter fusil d'assaut comme ça, après il a surpuissance. Amélioré. Ouais, bon, il aura pas tout de suite. Ouais, mais bon, dans un ou deux niveaux. Et toi? Fusil à pompe. Ou premier secours. Elle peut gagner quelque chose. Oh, fusil à pompe, je pense. Parce qu'elle est vraiment en retard en fusil à pompe, en fait. C'est un conseil que je donne après pour tous ceux qui n'ont pas fait le jeu et qui veulent savoir un peu comment faire, etc. Moi, le conseil que je donne, c'est augmenter vos armes dès le début du jeu. Ça vous permettra de gagner plus facilement de l'XP. Et ainsi, réussir vos missions, etc. C'est ce que je fais principalement en hardcore. C'était la minute du conseil de l'expert. C'est les conseils... Non. Ces conseils sont pourris. Ah, j'allais chanter une chanson en fait. Une chanson à la con, très énervante. Comme d'habitude. C'est une chanson que Pink Floyd adore chanter. Oh putain. Pink Floyd et ses chansons.